Bonjour. Dans première partie vidéo ça, professeur Stanislas Dehaene dans Collège de France va expliquer qui gens certains aspects et puis processus dans cerveau nous entrer dans apprentissage lecti avec écriti. Dans deuxième partie vidéo a, moi-même Michel De Graaf moi pral servi avec résultats scientifiques sa yo pour montrer nous qui jan l'école en Haïti tête en bas tout bon vrai mais nous ka servi avec la science pour nous mettre l'école yo tête en haut pour yon pays tête en haut. Je commencerai par une petite provocation. Je pense qu'un bon enseignant est un enseignant qui a un bon modèle mental du cerveau de l'enfant et qui est tout de même stupéfiant de penser que beaucoup d'enseignants connaissent mieux le fonctionnement de leur propre voiture que celui du cerveau des enfants auxquels ils doivent enseigner. Donc, nous devons essayer de réfléchir ensemble aux connaissances qui sont indispensables, finalement, pour qu'un enseignant puisse concevoir le programme éducatif dans un contexte qui va maximiser les modifications mentales, cérébrales et maximiser la vitesse aussi, la quantité d'apprentissage qu'un enfant peut avoir. Alors la compréhension de ces fondations peut aider à comprendre ce qu'il faut faire dans l'enseignement de telle ou telle discipline. L'exemple de la lecture, je pense, est un bon exemple. Nous avons très largement maintenant compris par où passe l'information dans le cerveau lorsque nous apprenons à lire. Et la compréhension de ces circuits cérébraux nous donne un certain modèle de ce qui doit changer dans l'apprentissage de la lecture. Je vous ai montré il y a un instant que le jeune enfant maîtrise le langage parlé. Très précocement, ces circuits du langage parlé sont en place dans le cerveau de l'enfant. Dès 2 ans, 3 ans, on va voir se mettre en place des connaissances syntaxiques de plus en plus élaborées. Et au moment où l'enfant démarre l'apprentissage de la lecture, ces réseaux du langage parlé sont bien en place. L'apprentissage de la lecture, nous avons pu le voir par l'imagerie cérébrale, consiste à formaliser des relations entre le système visuel et le système linguistique du langage parlé. Et cela passe par la formation donc, de modifications dans le cortex visuel, mais surtout dans une région bien particulière qui sert à représenter les chaînes de lettres et à les mettre en liaison avec d'autres régions qui sont impliquées dans la représentation des phonèmes du langage parlé. Par l'imagerie cérébrale, nous avons pu comparer le cerveau de personnes qui ont ou qui n'ont pas appris à lire et montrer que ce sont les changements principaux et également que les connexions qui semblent relier ces deux régions sont modifiées par l'apprentissage. Il est à vrai dire stupéfiant de penser que l'on peut aujourd'hui, en scannant et en regardant l'anatomie du cerveau d'une personne, savoir dans une certaine mesure si elle a appris à lire ou pas, parce que ça se voit littéralement sous forme de changement dans le cerveau des enfants. Donc, l'enseignant peut avoir un modèle mental de ce type de transformation, on peut lui enseigner comment fonctionne l'apprentissage de la lecture. Ce n'est pas des choses extrêmement compliquées. Je ne suis pas en train de dire que chaque enseignant doit devenir un grand spécialiste des sciences cognitives, mais on peut avoir un modèle mental minimal et donc conclure que l'apprentissage de la lecture spécialise certaines aires du cortex visuel pour la reconnaissance des chaînes de lettres et va le relier au code des sons du langage. Et si on suit ce modèle du recyclage neuronal, ces circuits-là n'ont pas été conçu, si on peut dire, par l'évolution pour apprendre à lire. Ce principe alphabétique, cette notion même qu'il puisse y avoir une correspondance entre les lettres et les sons ne va pas de soi. À vrai dire, si on regarde l'histoire de l'invention de l'alphabet, c'est une invention très longue, très difficile pour l'humanité, l'invention de l'alphabet. Il faut donc enseigner explicitement à l'enfant tous les détails de cet apprentissage. Et dans ce domaine, j'ai trouvé remarquable que les sciences cognitives convergent avec les sciences de l'éducation qui montrent que l'apprentissage des correspondances entre graphèmes et phonèmes est la manière la plus rapide d'acquérir la lecture et la compréhension. Il y a un point important, c'est que initialement, on entraîne les correspondances entre graphèmes et phonèmes et on met en place cette voie dont je vous ai parlé, mais il va y avoir ce qu'on appelle un auto-enseignement, c'est-à-dire que le fait d'être capable de décrypter les phonèmes va permettre à l'enfant, en reconnaissant le mot parlé dans son vocabulaire,
du langage parlé, d'y accéder au sens, et va se développer cette deuxième voie de lecture qui est plus directe, qui va passer de la représentation des chaînes de lettres vers le sens directement. Donc il y a bien deux voies de lecture, mais le fait d'entraîner la première va permettre à l'enfant ensuite, seul, par ses lectures même, d'entraîner la seconde. Alors, c'est un exemple, hein, la lecture, dans lequel je pense que les connaissances actuelles commencent à être suffisantes pour donner un bon modèle mental à l'enseignant de ce qui se passe dans le cerveau de ses enfants, le motiver et lui faire comprendre les points essentiels. Transfert de l'explicite à l'implicite. Nous savons maintenant qu'au début des apprentissages, le cortex préfrontal, l'avant du cerveau, un tiers de notre cortex, est fortement mobilisé et nous traitons les informations d'une façon explicite, consciente, avec effort. Et puis, progressivement, les autres circuits du cerveau vont automatiser ces connaissances, libérant les ressources du cortex frontal et donc de cette attention exécutive. Voilà pourquoi on peut penser qu'il est extrêmement important d'automatiser certaines connaissances dont on veut qu'elles libèrent cet espace mental. Je prends simplement l'exemple de la lecture, on pourrait prendre celui du calcul également. Hein. Au début, on sait très bien que l'enfant a besoin d'un grand effort pour réaliser le déchiffrage de l'écriture. Il retient les correspondances graphème-phonème sous forme de règles explicites et les applique une par une. Et donc, en particulier, on voit que le temps de lecture, chez les débutants ici, au CP, est proportionnel au nombre de lettres. Plus il y a de lettres, plus le temps de lecture est long. Et très rapidement, cet apprentissage va s'automatiser. Malheureusement, pas chez les enfants dyslexiques ici. Mais vous voyez que, dès la troisième année, on a une courbe qui est presque plate, qui correspond à celle de l'adulte, c'est-à-dire notre temps de lecture ne dépend plus du nombre de lettres, il n'est pas sériel. Voyez, on passe d'un traitement de l'information sériel à un traitement de l'information parallèle. Alors, le décodage devient routinier, les connaissances implicites, et cette automatisation est essentielle parce qu'elle permet à l'enfant de se concentrer sur d'autres choses, le sens du texte, par exemple, le sens de la question, et non pas sur le déchiffrage lui-même. Je voudrais vous en faire une petite démonstration. Retournons en enfance, à vous de lire ce petit texte de Proust, d'ailleurs. À la fin, ça redevient facile. Hein. Bon. Vous avez vu donc la difficulté qu'on peut avoir à déchiffrer une écriture qui ne respecte pas les principes que nous connaissons. Voyez. Imaginez un enfant qui est dans cette situation-là, et ensuite on lui demande une question sur le sens du texte. Je suis sûr que si vous posez des questions sur le sens de ce texte, là au début vous auriez du mal. Voilà. Parce que cet espace préfrontal est entièrement occupé par ses activités de déchiffrage et ne peut pas être en train de se concentrer sur le sens du texte. Même chose évidemment pour les mathématiques. Merci. Professeur de Han, dans la conférence de Han, là, nous avons clair que la langue maternelle est un poteau mitant dans l'apprentissage lecti et écriti. Kounia, on nous a dit que la science qui a aidé nous mettre l'école en Haïti tête en haut pour un pays tête en haut. Diapo, ça a montré nous importance langue maternelle là, parce que c'est langue maternelle là qui baille vocabulaire oral là, et vocabulaire oral là c'est lui même qui gagne son langue là, sa linguiste les phonèmes, et puis vocabulaire oral là baille sens mot yo tout. Donc phonème yo avec sens mot yo, ça c'est deux sommets d'un triangle lecture, et puis un troisième sommet qui c'est texte que Timon l'a appelé. C'est dans texte ça que nous joignons lettre, sa linguiste et les graphèmes. Donc triangle lecture ça, il marchait pour Timon en France capable d'apprendre français, parce que ni sens moyo, ni phonème yo, ni graphème yo, yo tout yo sorti dans une grande langue. Yon gros avantage un petit français ou soit un petit dominicain cap apprendre li dans pays yo, c'est que orthographe que a pas apprendre là basé sous langue que yo déjà parlé a qui c'est langue maternelle yo qui fait yo capable correspondance entre son langue yo avec orthographe là et puis pita yo ka fait connexion entre orthographe là et puis sens
mots que yo déjà connais yo qui dans vocabulaire oral yo. Ça c'est belté triangle lecture les yon ti moun a pas prendre li dans langue maternelle li. Malheureusement en Haïti ti moun yo pa gen chance ça pour yo gen un triangle lecture qui ka fonctionner comme ça doit. En Haïti, pour pi foti moun yo, vocabulaire oral la, c'est dans langue créole la li sorti. Qui fait son langue la, phonème yo, et puis sens langue la, c'est dans créole la li sorti. Et pourtant, pour pi foti moun yo, le a pas prendre ni, c'est dans livre qui écrit en français qui a pas prendre, qui fait let yo graphème yo yo sorti dans système orthographe français qui pas correspond avec système phonème dans langue créole là. C'est ça qui fait en Haïti pour pi foti moun yo triangle lecture vin dépamment qui fait ti moun yo pas arriver connecter lettre qui couché sous papier avec sens mot qui dans tête yo qui en créole parce que texte là en français. Et puis langue timonio qui en dans tête yo c'est en créole. Triangle lecture dépamment les cochi les cassé timonio vin bloqué dans jaco répète yo pas fouti vin maton dans fait lecture et ça veut dire que yo pas fouti vin maton dans apprendre aucun matière parce que plus énergie que y a passé dans fait lecture c'est dans déchiffrage une série de lettres, une série de mots qui parlent yo chez maître, chez maîtresse. Ça, c'est un gros drame, un gros handicap pour ti moun en Haïti qui vient handicapé dans une école tête en bas qui a bloqué yo depuis au pas. Ti moun sa yo bloqué pour toute vie yo parce que yo pas jamais rivé fait bon gens connexion entre lettre c'est-à-dire graphème qui couché sous page livre en français avec son langue créole là c'est-à-dire phonème qui déjà dans langue que yo parle plus bien qui c'est langue maternelle yo à la traka. Et pourtant orthographe créole là c'est une richesse parce que non seulement créole là, c'est seule langue pi fort ti moun yo parler, mais orthographe créole là, c'est une orthographe qui jam net. Ata grand scientiste dans pays la France reconnaît que orthographe créole là, li chita sur une logique qui pli jam passé orthographe français. Qui fait le ti moun yo à pas prendre li en français alors que c'est créole yo parler c'est une richesse linguistique qu'a gaspillé parce que si ti moun yo te apprendre li en créole grâce à une orthographe qui jam côté gagne une belle correspondance entre son langue là et puis lettre qui sous papier yo ça t'a permet ti moun yo vin maton dans lecture bien vite qui fait en nous garder bien valeur richesse qui gagne dans orthographe créole là et nous ka wè principe ça yo dans diapo ça en garder ensemble et puis tout nous ka chanter belle ti chanter orthographe créole ça en nous chanter ensemble. OK, nous apprendre orthographe créole la système pour nous communiquer. Est-ce que connaît orthographe créole la si on connaît chanter avec a en bas cha da e en pa ga ha i ja Kalama. Est-ce qu'on connaît tout son orthographe créole là?
si ou vle konen tout an nou kontinye. Na ang o o on ou on pa za sa ta yui va wayaza. Mes amis, ça c'est son orthographe créole là. Si ou vle konen tout, répétez encore. Chaque lettre est nan rôle yo, chaque son écrit même jan nan pren lettre ki bébé, chaque lettre yon sel son. A a a abako an 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 en bilan, mais soumette accent force en tourne an. A a an Antoine prend panne. Ba 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 black out. Cha 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 chou palmis. Da 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 dodo. Chaque lettre t'es nan rôle yo, chaque son écrit même jan nan pren lettre ki bébé, chaque lettre yon sel son. Da 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 bel bagay. Lè nan pale de belte avèk pouvwa lan kriol la, se pa yon parol an lè du tout. Paske nou mesure pouvwa lan kriol la sou teren, sou beton, sou ban l'ekol yo. E dan rechèche nou fè, nou wè ak lè ke ti moun sa yo, par exemple, ti moun nan l'ekol kominote matenwa, kap apren li avèk ekri. En créole, ti moun sa yo, yo rive maton net dan fè lekti. Yo li 3 fois pli bien passé lòt ti moun ki pa servi a créole la kòm sa dwa. Donc ki sa ban nou kòm rezultat? Rezultat klè, pa gen dout dan sa. Lè ti moun yo apren li avèk ekri en créole, sa ba yo pi bon fondasyon pou yo apren lòt lang, tankou franse, angle, panyol, e sa ba yo tou pi bon fondasyon pou yo vin maton dan matematik, dan siyans, dan geografi, e latriye. Par exemple, ane pase, ti moun matenwa ki al sertifika, yo tout pase, 100% pase. Aloske, nan ap gade tout peyi an, c'est 71% nan ti moun yo ki te reyisi. Alors que de matenwa, tout ti moun yo reyisi. Sa montre que créole la, vraiment vrai, c'est yon richesse, c'est yon avantage, fòk nou servi avèl pou nou rebati Haïti ke nou vle a.